Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce samedi 31 janvier. Monsieur Arthur Griffith, auteur et journaliste, fondateur du Sinn Féin et président de la République irlandaise, pendant l'absence de Monsieur Valera, nous a accordé une interview. L'impression générale est que Monsieur Griffith est un de ces idéalistes que les réalités n'effraient point. Je tombais mal pour mon début en parlant des attentats attribués aux Sinn Féiners. Sans attendre que j'aie fini ma phrase, Monsieur Griffith était déjà à la riposte. Le Sinn Féin date de 14 ans. Il y a 6 mois seulement qu'on avise de nous accuser de terrorisme. On ne vous a pas parlé des provocations endurées par notre peuple? Vous a-t-on dit qu'après l'élection régulière de Valera comme député du comté de Clare, les foires furent interdites et un cordon de troupes disposé autour du district? La police a fait des milliers de descentes et de perquisitions. Accompagnés de soldats en armes, les gendarmes arrivent la nuit, fouillent tout, renversent tout, allant jusqu'à mettre à nu le père devant ses enfants pour voir s'il n'a pas les documents cachés. Quoi de plus naturel que ces gens, outragés, se vengent? Ces attentats ne sont pas dictés par le Sinn Féin. Que des Sinn Féiners y soient parfois mêlés, c'est probable. Il y a des provocations qui sont difficilement tolérables. Sans autre forme de procès, on nous accuse automatiquement de tous les actes de violence. Mais quand, dernièrement, nous avons voulu, pour assurer l'ordre, organiser dans les campagnes des comités de vigilance, la police les a interdits. Nous ne voulons même plus discuter. Autrefois, le Parti nationaliste a fait concession sur concession. Si raisonnable que fût le minimum qu'il demandait, on marchandait pour, finalement, le duper. À exception de Gladstone, je ne crois pas qu'il y eut jamais un seul homme d'État anglais qui fût de bonne foi dans la question irlandaise. Notre situation est analogue à celle de la Hongrie d'autrefois vis-à-vis de l'Autriche. Après la dissolution de leur propre parlement, les Hongrois refusèrent d'envoyer des députés à la diète autrichienne. Nous avons fait de même. La Hongrie sortit victorieuse du conflit et regagna son indépendance. Nous ferons de même. Monsieur Arthur Griffith parle ensuite de l'amitié traditionnelle franco-irlandaise. Monsieur Arthur Griffith a raison de croire que, en France, nous souhaitons du fond du cœur que l'Irlande soit libre et heureuse. Mais c'est sur le choix des moyens que beaucoup d'entre nous, sans doute, diffèrent avec lui. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.